Un mot aussi d'un concert important hier soir à l'Olympia avec notre ami Christian Jean-Pierre. C'était le concert annuel au profit de l'association ELA qui lutte contre les leucodystrophies. Rockaway, c'était l'histoire d'un groupe de copains qui s'est réuni il y a 6 ans pour venir en aide à ELA. Et d'année en année, le concert grandit. Et cette année, on reprend Téléphone avec les plus grands tubes de Téléphone et de Louis Bertignac. Et puis au niveau des artistes, il y aura Ahmed Bent. Ahmed Bent est une marraine active au sein de ELA. Et puis, le clou du spectacle, ce sera Louis Bertignac. Ça fait 2 mois qu'il me parle de ce truc. C'est un mec très sympa. Il a une gueule tellement gentille qu'on ne peut pas lui refuser ça. Et puis, bon, c'est pour une jolie œuvre. Est-ce que c'est la première fois que vous veniez au concert ? Oui. 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 Non, la deuxième. Tous les ans, je viens. Tous les ans, donc une habituée. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée ? Bah, c'est une bonne soirée, une bonne soirée pour une bonne association. Bah, une bonne contribution pour l'association ELA. Vous allez gueuler. C'est pour ELA, donc j'allais pas dire non quand même. Et en plus, il faisait que du Téléphone, ou du Aubert, ou du Bertignac. Donc. Je tenais vraiment à être là, chanter cette chanson et marquer le coup et ouais, être présente pour ELA. C'est important pour moi parce que j'ai la chance d'être une des marraines. Donc je pense que c'est un titre qu'il faut savoir honorer. C'est une association que je connais aussi très bien, dont Zinedine Zidane est le parrain. Je connais bien son président. Donc voilà, je me suis contenté de faire ce que je savais faire, taper dans un ballon. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'honneur que j'ai accepté cette invitation parce que je l'ai fait l'année dernière et c'était un grand moment. Alors, à l'époque, il y a 20 ans, tu disais « Coca, reviens !» Fais-le dans l'hygiophone pour voir. « Coca, reviens !» Merci beaucoup, Olivier. Je ne suis pas un acteur professionnel, donc il a fallu que je répète plusieurs fois. Il y en a le public en face. D'habitude, en face, on a les acteurs quand on est entraîneur. Et là, on a le public. Qui plus est, c'est une soirée qui, évidemment, rapporte de l'argent à l'association. Combien est-ce que vous avez récolté grâce à ces concerts consécutifs pour ELA ? Ben, en 6 éditions, c'est plus de 350 000 euros. C'est une somme exceptionnelle. Qu'est-ce que vous attendez de cette soirée ? Ah, moi, j'attends un grand moment de détente, un grand moment de bonheur. C'est la fête des mères, les mamans de l'association seront là ce soir. Et il faut qu'on prenne du plaisir, qu'on mette un peu la maladie de côté, parce qu'elle est dure, elle est quand même très très dure au quotidien. Et je sais que ça sera super, parce que Rockaway, on les connaît maintenant. Chaque année, ils nous offrent un spectacle vraiment sensationnel. Et mettez basket et bat la maladie. Mettez basket et bat la maladie. Mettez vos baskets et battez la maladie. Bats-toi contre la maladie. Bat la maladie. Bat la maladie. Bat la maladie. Merci beaucoup.